Nous accueillons l'avant-dernier patineur de cet après-midi, puisque Brian Joubert va donc patiner sur Mozart, reprise de Mozart, oui, après un succès initial. Oui, oui, c'est le nouveau single de Mozart, Opéra Rock. C'est bientôt la fin. Brian Joubert, la troupe de Mozart, l'Opéra Rock, est au Palais des Sports de Paris jusqu'au 9 janvier 2011 seulement. Puis en tournée dans toute la France, la Suisse, la Belgique, à partir du 29 janvier 2011. Retrouvez donc ce spectacle très vite en DVD ou double DVD dans les bacs avec Mozart. C'est évidemment notre nouveau champion de France, enfin cette fois champion de France, Brian Joubert. Ce n'est pas un message pour nous, j'espère, le titre de cette chanson. Rassurez-moi, c'est bientôt la fin. Oh, pas du tout. Et pour Joubert non plus, parce que je crois... C'est surtout pour lui que je pose cette question. C'est la fin de la tournée de Mozart Opéra Rock. Le 11 janvier, Philippe. Le 11 janvier, Brian, lui, il se préparera pour être médaille d'or au championnat d'Europe. Il nous l'a dit tout à l'heure. Il est très en forme, Brian. Regardez, c'est rapide, c'est vif. Toujours autant de dextérité dans ses séries de pas. Il a bien travaillé les pirouettes, il en avait besoin. Il a progressé sur les pirouettes. Et évidemment, ça n'est pas la fin. Il faut rappeler que nous avons les championnats du monde en France en 2012. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a souhaité continuer au moins 2 ans sa carrière de sportif. Et il a raison avec la belle équipe de garçons et nos petites jeunes filles qui arrivent et nos couples en formation. Voilà, ça fait du bien de revenir ici à Courchevel. C'est un gala qu'on apprécie tous. Toute l'équipe de France, c'est un rendez-vous important pour nous. Et là, les championnats de France se sont terminés. Ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, nous avons les championnats d'Europe, les championnats du monde. Nous avons Nathalie et Fabian, les danseurs, qui peuvent devenir champions d'Europe cette année, qui peuvent obtenir une médaille aux championnats du monde. Donc, je voulais leur souhaiter bon courage, bonne chance. Et moi, de mon côté, avec Florent et avec le reste, on va essayer d'obtenir des titres aussi. C'est possible. Et je vous dis merci pour votre soutien, surtout après les Jeux Olympiques. Donc merci beaucoup.